Merci beaucoup d'être venus nombreux. Ah, aujourd'hui, c'est un grand jour pour nous. Il y a beaucoup de questions posées sur Facebook et tout ça, sur Internet. C'est quoi l'Afroglo? Et je vais vous répondre, c'est quoi l'Afroglo? Vous savez, les Africains ne connaissaient pas les triangles, ne connaissaient pas les rectangles, ne connaissaient pas les carrés, ne connaissaient pas les trapèzes, ne connaissaient pas les... C'est ce qu'ils connaissaient, c'est les cercles, les ronds. Et les Africains, ils aiment, c'est ce qui est rond. Hein? Les Africains aiment la terre. Les Africains aiment la lune. Les Africains aiment le soleil. Et c'est pour ça que les Africains, quand ils dansent, ils se mettent toujours en cercle, en rond. Et il y a plusieurs formes de danse, en groupe, en forme de cercle. Il y a ce qu'on appelle le gla, il y a ce qu'on appelle le caillot, et il y a ce qu'on appelle le glo. Le gla, quand c'est en petit nombre, quand il y a 5, 6 personnes, et la danseuse, elle est au milieu, et les autres qui sont autour, qui font les applaudissements ou qui chantent et tout ça. Ça s'appelle les bibles ou les tchoumba. Hein, c'est en petite taille, et c'est de la danse sacrée. C'est de la danse rituelle. Après, c'est ce qu'on appelle le caillot, un peu plus grand, quand il y a 10, 12 personnes, ça s'appelle les caillots, et la danseuse ou le danseur, il porte des masques. Et après, c'est comme aujourd'hui, ça s'appelle le glo, quand c'est tous les villageois des Scalform qui viennent danser ensemble. Et ça, c'est quand c'est la pleine lune. En Afrique, on profite de la pleine lune pour sortir, pour danser, parce qu'il n'y a pas d'électricité. Et c'est ça, le glow, quand c'est tous les villois. Et ça, ce n'est pas la danse rituelle. Ce n'est pas la danse sacrée comme le caillot et le glas. Mais c'est la fête populaire, c'est la fête du village. C'est ça, le glow. C'est ce que vous allez faire aujourd'hui. Hein. Mais il y a aussi le afro. Le afro, c'est les danseurs, c'est les danseuses. Et ce qui fait que l'afro-glo, c'est quoi? C'est la forme de danse en groupe de la beauté africaine. Ah mais le glow, c'est aussi la sensualité. Le glow, c'est aussi la beauté. Hein? Et le afro-glow, donc, c'est, comme je vous dis, c'est la forme de danse en groupe africaine de tous les villageois. Mais tout glow, en anglais, avec W, veut dire aussi se mettre en feu. Hein? Quand c'est la pleine lune, c'est difficile à dormir. Et donc les Africains, ils sortent pour s'amuser, pour se donner, pour se mettre en feu. Et comme ça, quand c'est fatigué après, eh ben, ils vont tous dormir facilement. C'est ça l'idée de Afroglo. Et vous aujourd'hui, parce qu'aujourd'hui c'est pleine lune. C'est pleine lune, mais vous allez voir, après la danse que vous allez faire aujourd'hui, vous allez tous ronfler. Hein, vous allez tous ronfler. C'est ça le but de l'afroglo, c'est s'amuser, se donner, se fatiguer, tout ça. Hein. Bon, comme c'est la danse africaine, on va faire un tour d'Afrique. Au début, on va faire un échauffement avec une ambiance à l'africaine. Après, vous allez continuer l'échauffement au cœur de l'Afrique en faisant la danse angolaise. Après, on va vers l'ouest de l'Afrique, on va danser la danse des étudiants ivoiriens des années 90. Et quand c'est un peu hard, vous allez après vers l'est, souffler un petit peu vers la danse éthiopienne. Et puis après, on attaque avec les jeunes Togolais, une danse qui s'appelle l'Obragada. Ah, c'est une danse qui est cousine de coupé décalé ivoirienne. Et après, on va ressouffler dans la danse éthiopienne vers la Mozambique. Et comme la Mozambique, c'est pas loin de la mer, on va traverser la mer, on va traverser 800 km. Vous allez visiter deux îles paradisiaques dans l'océan Indien. Vous allez à Madagascar et vous allez à l'île Maurice. Et après, vous allez reprendre l'avion Air Afroglo pour aller dans la forêt africaine. Vous allez faire la cueillette
vous allez faire la pêche, vous allez faire la chasse avec les pygmées, avec les bantous, avec les zoulous, avec les mandingues, avec les malinkés. Et enfin, avant d'arriver en Afrique du Sud avec Nelson Mandela, on va former un glo ici dans cette maison. On va former un glo avec une danse de terroir togolais qui s'appelle le Kulkaché. Et à la fin, comme j'ai dit, vous allez en Afrique du Sud avec les Zoulous pour faire le retour au calme. Je vous souhaite bonne chasse, bonne chance, bonne pêche. Une petite parenthèse, comme c'est la fête de la famille, je souhaite bon anniversaire à Marion Poirier, bon anniversaire à Cindy, bon anniversaire à Diop Meram et bon anniversaire à...